Voilà. Ça va partir, mesdames et messieurs, le début de la carrière manager, vous y croyez ? Et voilà ! Mesdames et messieurs, bonjour, je suis FanMason17 et bienvenue pour le début de cette carrière manager sur EA FC 24 ou FIFA 24 comme vous voulez. Début donc de cette nouvelle carrière manager, comme chaque année, on va faire donc une petite carrière manager sur deux ou trois saisons, tout dépend du temps que ça nous prendra. Cette année donc on fait comme d'habitude sur Switch. Cette année on va faire un petit championnat un petit peu exotique, vous allez le voir, et on va surtout faire une création de club puisque je rappelle que la création de club est enfin disponible sur Switch. Après un petit peu d'attente, on va pas se mentir, donc puisqu'on rappelle que cette version Switch est comparable aux versions PS4 et Xbox One, ce qui est plutôt cool pour nous les joueurs Switch, voilà. Enfin, pour nous les joueurs Switch, après moi personnellement j'y joue sur PC, donc également, donc bon, voilà, mais c'est comme ça. On fera pas de carrière joueur cette année, on va rester sur une carrière manager, même si la carrière joueur, comme vous le savez, a été retravaillée, mais je suis pas un très très gros fan de la carrière joueur comme elle est sur FIFA. Pour moi, si on veut faire une véritable carrière joueur, faut qu'il y ait en fait un scénario, un truc un petit peu intéressant, un scénario à suivre. Alors certes, là, on peut créer son propre scénario, mais on va pas avoir de cinématiques qui vont avec, etc., etc. Alors c'est aussi, ça permet aussi de donner encore plus libre cours à l'imagination de nous, les créateurs de contenu sur Internet, pour faire des carrières joueurs un peu comme ça, un peu avec des storylines. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas inclus directement dans le jeu. Et pour le coup, à ce niveau-là, même si la carrière joueur d'NBA 2K reste pas terrible du tout, je préfère, honnêtement, par exemple, voilà, je préférerais un mode comme The Journey avec Alex Hunter, qui était pour moi un peu plus sympa qu'une véritable carrière joueur. Donc voilà. Allez, donc on va faire une carrière manager, nouvelle carrière manager. Et donc, on va télécharger plus récente. Il y a eu des petites mises à jour, donc on va les faire, hein, on va pas s'en priver. Alors attendez. Voilà. J'aimerais juste... Qu'est-ce qu'il vient de me faire là ? Hop, je vérifie que tout fonctionne bien de ce côté-là, c'est bon. Alors, du coup, c'est bon, les mises à jour ont été téléchargées. On va... j'aimerais voir juste... De toute façon, vous voyez dans le titre quel sera mon club, enfin, quel sera le club que je vais créer. Je vais donc voir un petit peu, on va essayer de voir s'il n'y a pas un coach, puisque donc je vais faire une carrière manager en création de club avec Al Hospital en Arabie Saoudite, vous vous dire. Et donc j'aimerais trouver un coach, si possible dans les coachs qui sont disponibles là, qui est connu pour être un... qui était connu, enfin un ancien joueur qui était connu quand même pour se blesser un petit peu. Donc, Simeone, Xavi, Carlo Ancelotti, ouais, bref, pas trop, on va pas se mentir. Je sais pas vraiment s'il y a des noms qui vont me sauter aux yeux. Il va peut-être falloir que je crée un coach de toutes pièces. Je pense pas en seconde division espagnole. On verra bien. Alors je pense qu'aujourd'hui ce live va être essentiellement un live de création du club. Et éventuellement, on va peut-être jouer le premier match de pré-saison. Mais on va pas aller bien plus loin que ça. Donc voilà. Bon, en Espagne c'est pas le cas. Au Danemark, bon, de toute façon je pense pas qu'il y ait... très très gros non. En Corée, ouais, non non plus. En Belgique peut-être Marc Van Bommel, très bien. Oula, il y a un petit souci. Steven Defour, ah, qui était pas qui se blessait un peu quand même. Steven Defour, Van Bommel, ok. En Bundesliga autrichienne, il n'y a pas de nom qui me saute aux yeux là. Christian Hilder, ça me dit quelque chose, mais bon, pas spécialement pour les blessures. En Australie, bon, de toute façon, je connais pas de joueur australien particulièrement. Donc, l'Argentine, peut-être, on sait jamais, un joueur comme ça. Ah, ça, je pense pas. Carlos Tevez, bon, qui était pas. Qui, sur la fin, peut-être qu'il se blessait, mais qui était pas. Je veux vraiment quelqu'un qui est au niveau de Neymar ou Dembélé au niveau des blessures, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il passe plus de temps à l'infirmerie qu'à. Que sur un terrain de foot. En Arabie Saoudite, c'est vrai qu'il y a Steven Gerrard hein, quand même. Bon, on va pas le prendre, bien sûr. Ok. En Angleterre, Mikel Arteta, Jurgen Klopp, Ten Hag.
Vincent Company. Alors, est-ce qu'ils lui ont... Non, ils lui ont toujours pas remis son scan, puisqu'il n'a plus son scan. Hein. Normalement, il a son scan de joueur de héros sur FUT, sauf que la mise à jour a tout simplement supprimé son scan, ou du moins n'est plus attribué à son coach. Et donc, ça donne un truc un peu comme ça. Voilà. Alors, en Allemagne, il n'y a qu'un coach. Et l'Interzic. Par contre, en Liga 3, ils y sont tous. Il n'y a pas la Liga 2, je ne vais pas chercher à comprendre. En Écosse. En Turquie, je pense pas. Nenad Bilica. Ouais, bon. Très bien. En Suède, ça me paraît difficile là aussi. Mais évidemment, dans le chat, si vous voyez un nom qui vous saute aux yeux et qui collerait parfaitement à l'esprit avec l'esprit à l'hôpital, écrivez-le dans le chat. Oh, il y a un entraîneur liechtensteinois. Parce que ça, il se peut que je loupe. Ça peut arriver. Pas en République d'Irlande, en Roumanie. Il est quoi? Il est chypriote, lui? C'est quoi derrière? J'ai l'impression que c'est le drapeau de Chypre, mais je suis pas sûr. Ok, reste du monde. Non, il n'y a pas de... Non. Dejan Stankovic. Mince, Portugal. Non. Pologne. J'en ai loupé un. Ah non, Pologne. Je pense pas. C'est qui en bas? Vukovic. Non. Ok, Norvège. Bon, je pense pas trop non plus. Ouais, non, définitivement pas. Italie. Minzaghi. Ouais, non. Oh, Thiago Motta. Je note Thiago Motta. Pirlo. Je savais même pas qu'il était entraîneur en série B. Pirlo. Après, il était pas connu pour se blesser beaucoup. Pirlo non plus. Enfin, du moins, c'est pas ce qu'on retient de plus de lui. En Inde. Ouais, non. Ok. Et je crois qu'on va avoir fait le tour, ouais. Alors, il y avait Thiago Motta. Alors, est-ce qu'il est scanné? J'ai l'impression. Thiago Motta, ça me tente bien. Après, il me semble en avoir vu un autre. C'était où? C'était du côté de. C'était du côté de peut-être de l'Argentine. Ouais, il y avait Carlos Tevez éventuellement. Et il y avait, je crois, au Danemark, c'était Van Bommel, je crois. Ah non, c'était peut-être pas au Danemark. Non, c'était pas au Danemark. Alors, c'était où? C'était pas en Espagne, c'était où Van Bommel? C'était en Belgique. Et il y avait Steven Defour aussi. Alors, attendez, laissez-moi faire une petite recherche sur Internet. Historique des blessures. Si ça arrive à charger, ça va être un petit peu long, hein, ce live. Bon, Van Bommel, donc on oublie. Hein. C'est bien s'il changeait, de toute façon, c'était pas connu pour se blesser énormément. Et c'était qui d'autre également que je voulais prouver? C'était Steven Defour. Éventuellement. Peut-être Tevez. Ah, ça s'est blessé un peu plus, Thiago Motta. Ça s'étale sur. Ouais, bon. Une page et. Ouais. Alors, ça a loupé un peu de match, Thiago Motta, je note. Steven Defour.
Le Blast Even. Historique des blessures. Ah, il y en a un petit peu plus pour Steven Defour. Très bien. Je note. Donc on partira sur Steven Defour. Moi, je voulais voir un dernier, c'était Tevez. Carlos Tevez. Tevez, ouais, c'est, ouais, voilà, il s'est pas tant blessé que ça dans sa vie, Carlos Tevez. Donc je pense qu'on partira sur Steven Defour. Ah si, éventuellement, je voulais voir. J'ai quand même vérifié Pirlo, même si je crois pas. Faites-moi, attendez. Qui c'est qu'on avait dit d'autre? Qu'on avait dit d'autre. Donc, Tevez, hein, c'est non. Donc ça, on est d'accord à ce niveau-là. Le monsieur s'est pas du tout blessé. Bon, on a réussi à dire qu'on n'a pas trop touché. En Angleterre, je crois pas qu'il y avait des noms qui m'avaient sauté aux yeux. Plus que ça. Et que des coachs en première ligne, donc. Bon, en Bundesliga, il n'y a rien. Waterloo, mort de plaine. Ouh, Patrick Kluivert, je n'avais même pas fait gaffe à Patrick Kluivert. Purée. J'ai rien à voir Kluivert après quand même. Bon, ça s'est pas blessé, Pierre, hein. C'est bien ce que je disais. Ah, il n'y a que Justin, il n'y a pas Patrick Kluivert. Non, c'est juste qu'il n'apparaissait pas. Il n'y a qu'une seule blessure, mais qui a duré 224 jours quand même. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Italien que je voulais aller voir. Je pense qu'on va partir sur Steven Defour, c'est du moins c'est bien parti pour. Italie. Voilà. Il n'y avait pas un autre nom qui m'avait sauté aux yeux. Non, peut-être pas. Bah, écoutez, je pense qu'on va partir sur Steven Defour. Ah, Nesta. Ça aussi, Nesta, mais peut-être que je me trompe. Ouais, bon, écoutez, on va partir sur Steven Defour hein, comme coach. Je serai donc le coach de l'hôpital cette saison, Steven Defour. Enfin, du moins pour cette carrière, on va incarner Steven Defour. Alors, du coup, je sais même plus où est-ce qu'il joue. Enfin, où est-ce qu'il coach. En Belgique, je crois bien. Ouais, c'est ça. Ah, il est. Si, il est scadé. Changer de tenue. Faites voir un peu. Bon, je crois qu'on va pas se casser les. On va pas s'enquiquiner. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui ferait un peu. Chemise. Je suis pas sûr que Steven ne faut mettre des chemises après. Après peut-être, hein, mais. On va lui mettre un sweat Bordeaux. Ok, on va pas lui mettre de veste, pantalon, on va lui laisser ça, accessoire rien, chaussettes, on s'en fiche, et chaussures aussi, si on va mettre des bottes grises. Très bien, il est magnifique, allez, on va donc créer notre propre club, on va donc l'appeler, si j'y arrive, purée de bon sang, bonsoir, Al... Hôpital. Il n'y a pas moyen de... Qu'est-ce que c'est? C'est nul. Ça marche pas, c'est cassé. Mais c'est ridicule, c'est dégueulasse.
Bon, bah il y aura pas de circonflexe. Surnom, bon, on s'en fiche. Nom court. Nom court. Amblance. Amblance, hein. Il n'y a pas de U, tout le monde le sait. Et puis donc. A-L-H. Voilà. Ce qui sera très facile pour nous différencier de tous les autres clubs comme Al Hilal. Comme Al Ali. Non, ça c'est avec un. Ok, continuez. Remplacer équipe. Direction donc l'Arabie Saoudite. On va faire un truc un peu spécial cette année. On va sortir de l'Europe. Au vu de ce que ça disait, en vrai, c'est plutôt. Au vu de ce qui se passe en ce moment, en vrai, pourquoi pas. Alors, les clubs qui montent, je les ai notés et je les ai oubliés. Donc, on va regarder. Les clubs qui sont montés, on a Al Ahly, Al Azer, Al Okoud et Al Riyad. Donc, Al Ahly, on va pas y toucher parce qu'ils sont plutôt bons. Al Azem, ils sont nuls. Al Khalijo, ils sont pas montés. Al Okoud, ils sont nuls. Al Raed. Al-Riyad, Al-Shabaab, Al-Taoun, Al-Tai. Je pense qu'on va dégager. On va dégager Al-Riyad. Non, ou Al-Raed. Allez, on va dégager Al-Raed. Choix comme équipe rivale. Al Hilal. Voilà. Ça, c'est pour tout pour la FC Champions League. Salut Eloan, bienvenue à toi. Alors, les maillots. Il n'y a pas moyen de choisir son. Voilà, écusson d'abord. Commençons simple avec les écussons. Et merci pour le follow, Eloan. Alors, on va essayer de trouver, bien évidemment, à l'hôpital une croix. Voilà, suffit de demander. Croix rouge. et puis donc. Par contre, il y a vraiment. Ah, si, voilà, voilà. Attendez. Je vais trop vite en besogne. Est-ce que là, il y a des croix? Non, là il n'y a pas de croix. Là, est-ce qu'il y a des croix? Non, il n'y a pas de croix. Bon, bah, je crois qu'on va partir sur le premier truc. Là peut-être. Non. Là peut-être. Non. Là peut-être. Non. Là peut-être. Il y a un truc des Milwaukee Bucks, mais alors par contre, en ce qui concerne des croix, non, ça il n'y en a pas. Après, je sais bien qu'on est en Arabie Saoudite, mettre une croix, c'est un peu délicat, mais... Là, je parle de la croix de l'hôpital, hein, pas de la croix religieuse. Bon, il n'y a rien qui me convient tout à fait, là. Hein. Pour être honnête. Non, c'est pas terrible, on dirait des trucs de club russe. Bon bah on va garder ce truc là et alors couleur primaire. Ah attendez. Ah. C'est pas terrible. Voilà, ça me semble pas mal, magnifique. Ok, les cuissons on est bon. Les maillots, maillot domicile pour commencer. Alors. Faut comprendre un truc, faut qu'on prenne un truc assez stylé. Ça me semble parfaitement dégueulasse. En blanc, voilà. Par contre, là, on va mettre en rouge, histoire que ça se voit mieux. Non, c'est une catastrophe, ça se voit pas du tout. Donc, on va laisser en blanc. Bah écoutez, ça me semble parfaitement horrible, c'est parfait. Maillot extérieur. Alors, qu'est-ce que pourrait y avoir comme truc sympa comme maillot extérieur? Ça me semble pas mal. Voilà, toujours du rouge, toujours rappeler le rouge, hein, bien évidemment. Tertiaire, écoute, on va laisser ça me semble pas mal comme ça. Voilà, un très très beau maillot qui fait énormément penser à celui de Monaco. Et j'ai pas fait exprès.
Et puis à Mario Sword, on va faire un truc un peu drôle, à savoir on va faire un truc de pharmacie. Attendez, ça, voilà, on a le vert, et puis il nous faut plus que du noir. Voilà, c'est magnifique. Ces maillots sont magnifiques. Par contre, j'ai mis du Adidas et j'ai pas fait exprès. Par contre, peut-être y mettre plus en blanc, voilà, pour qu'on voit mieux l'équipementier. Parce que l'argent, c'est important, on a besoin de budget. Et puis donc tranquillement le maillot gardien. Là, il n'y en a pas 12 000 à sélectionner. Un truc bien. Un truc qui sera assez différent de nos maillots pour que ça puisse se voir. Ça, très bien. Ok. Voilà. Les maillots, c'est fait. Le stade pour finir. Alors, on va construire bien évidemment une très très belle enceinte. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau comme très belle enceinte? Pas grand-chose. Non. On va peut-être bien trouver un truc. Alors, pas un stade à l'anglaise. Le Al Jaïd, pourquoi pas en plus, ça fait un peu. Voilà. El Grandioso, ouais, non, pas trop d'engouement non plus. Angouk, non, mais je crois que j'ai déjà pris en plus Angouk. Non, c'est la Sartès que j'ai déjà pris. Bon, écoutez, on va prendre Al Jaït, ça me semble pas mal. Pas trop d'engouement non plus en Arabie Saoudite. Mais par contre, j'aurais dû faire renommer le stade. Donc, je vais tout de suite renommer le stade. Faut qu'on trouve un truc drôle là, une blague drôle. Alors, en général, déjà ça commence par King. Les deux stades d'Arabie Saoudite qui sont dans le jeu, ça commence par King. Donc, King. Il y a le King Fat Stadium. J'ai bien envie de mettre le King Fat Stadium. Vas-y, c'est drôle. Le King Fat Stadium. Alors bien évidemment, j'ai rien contre bon, donc bien évidemment, j'ai rien contre les gens en Arabie Saoudite et c'est trop long, donc je vais pas pouvoir faire ça. Ou alors on fait la King Fat Arena. Peut-être ça passera mieux. King Fat Arena. Voilà, ça me semble pas mal. Ok, le stade c'est fait. Les tribunes, alors il nous faut couleur du stade. Alors, faut qu'on mette des trucs qui fassent bien hôpital vraiment. Donc, cyan. Non, voilà. Couleur de siège, c'est là que c'est important. Bien horrible. Il n'y a pas de marron. C'est quoi cette histoire? Non, mais non, moi je voulais du marron en fait. Grenat. Allez, on va mettre grenat, ça sera ce qui rapproche le plus du marron. Voilà, ça me semble pas mal. Un très très beau stade en perspective. Terrain. Alors, ah, on peut faire des motifs. Ça, c'est très bien. Suis vraiment en train de faire le pire truc de l'histoire. Ah, mais il n'y avait pas moyen de modifier les couleurs. Si, voilà. Bubblegum. Tiens. Et puis, un verre. Voilà, comme ça. Hein, vraiment, il fait chaud, on est dans le désert. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Et puis les filets. Non, pas bleu, blanc, rouge. On va éviter. Voilà, rouge, blanc, très bien. Triangulaire, triangulaire, parce qu'il n'y a pas de budget non plus, faut pas plaisanter. Puis on met des hexagones parce que c'est particulièrement moche. Ok, le stade. Non, il reste l'ambiance, attendez. Son début. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Amnésia, ça me semble parfait.
J'entends rien du tout, c'est nickel. Je pense que vous l'entendez, mais moi j'entends rien du tout. Mais c'est une musique en fait, c'est nul. Catalyst. Non, non, non. Quoique si, ça correspond bien avec l'Arabie Saoudite, ça, en vrai. Bon, si c'est copyright, tant pis. Allez, on va mettre ça. Chant supporter. Y a pas mal de chants de supporters dans le jeu. Milton Keynes. Allez, très bien. Et puis, l'hymne de l'entrée. Oui, oui. Oui, In the Hall of the Mountain King, Night on Bald Mountain. Oh oui, oh oui. La chevauchée des Valkyries. Ou. Attendez. Donc, vous préférez quoi entre l'ouverture de William Tell, la chevauchée des Valkyries, ou. In the Hall of the Mountain King. En vrai, c'est peut-être celle qui le fait le moins, In the Hall of the Mountain King, on va pas se mentir. Night on the Bald Mountain, ça ressemble à quoi? Ok, non. Je pense qu'on va mettre Ride of the Valkyries. Ça, c'est ce qui me semble le mieux. Voilà, allez, on va mettre donc Chevauchée des Valkyries. Très bien. Le stade, c'est fini. Bah voilà, on a fini la personnalisation. Continuez. Il nous reste désormais les équipes. 2 étoiles de général, ça me semble parfait. Âge équipe, on va mettre équilibré, honnêtement. Ou peut-être jeune. Jeune, allez. Par contre, le alors... je vais mettre genre du football parce qu'on est en Arabie Saoudite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le budget. Quel est le budget moyen d'un club en Arabie Saoudite? C'est une très bonne question, mesdames et messieurs. Et c'est une question que je vais essayer de répondre. Arabie Saoudite football budget moyen. J'aurais dû le faire peut-être sur Transfermarkt, on peut mieux voir. Transfermarkt. Valeur. Peut-être là-dedans. Ouais, là on peut voir. Nationalité. Arabie Saoudite. C'est ça que je veux voir. Alors, bon, les plus payés, les petits clubs, bien évidemment. Plus petit club en Saudi Pro League, c'est Al Khalid, il est à 15 millions. Plus gros, c'est Al Hilal avec 257 millions. Al Ali qui vient d'être promu, on va mettre 200 millions. On va mettre 200 millions de budget, ça me paraît raisonnable. Si on peut. Oui, on peut. Parfait. 200 millions de budget, ça me semble très bien. Allez, il ne nous reste plus que les paramètres de carrière à faire, et ensuite on va pouvoir lancer cette carrière. Ah non, déjà, on peut voir mon équipe. Bon, de toute façon, c'est que des faux joueurs, donc on s'en fiche un petit peu pour le coup. Ça me semble très bien, allez, continuez. Alors, donc on va faire... je sais pas... peut-être laisser en semi-pro pour l'instant, et comme l'année dernière, on augmentera peut-être le niveau si nécessaire. Pour l'instant, on va rester en semi-pro le tour des tout premiers matchs. 4 minutes par contre, durée période, devise. On va rester en euros, c'est ce qui sera le moins énervant. Transigeance en négociation, on s'en fiche. Active offre d'emploi international. En vrai, c'est juste relou, surtout qu'on va pas faire d'international, nous vous le savez. Et puis, on va activer bien évidemment la période de transfert. Ok.
Eh bien, c'est parti. C'est parti pour cette carrière, mesdames et messieurs, avec à l'hôpital. Donc, je vais m'imposer un petit truc, bien évidemment, pour les recrues. C'est que je vais devoir prendre des joueurs qui n'ont pas beaucoup de physique. Vous l'avez compris. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis jeune. J'aurais dû mettre très vieux. Je suis débile. Bon, c'est pas grave. Hop, on va donc sauvegarder cette carrière manager. On va peut-être avoir, si, attendez, on va avoir la conférence de presse. Voilà, Steven Defour. Alors, c'est que des photos, hein. C'est pas des images, c'est juste des photos, en fait. C'est des screenshots. C'est pas que ça log ou quoi, non, c'est vraiment juste des screenshots des PNG. Bienvenue dans le club. Nouveau compte, commencez par décider de la façon dont vous voulez. Définissez votre vision tactique. On va faire ça tout de suite. Choix de la vision tactique sur les ailes. Hein, on va pas se mentir. Ok, bon, tout ça on s'en fiche. Très bien. Alors, engager un coach. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça. Vision tactique sur les ailes. Efficace, connaissance efficace. Spécialiste. Alors, j'ai un budget hebdo de 3 800 000. Lui, il me semble très bien. Nadir Abdel. Engagé. J'ai aucune idée de ce que je fais, hein, pour ceux qui se demandent. alors, Abdel, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai pas lu en plus. Engagé coach. Bien joué, vous venez de récupérer votre premier coach. Regardez son impact sur l'équipe. Ok, impact de la vision active, impact du niveau de connaissance, impact du tranchant. Très bien. D'accord. Plus 2, plus 1, plus 2, plus 1, plus 1, plus 1. Ok, et eh ben c'est super. Bien joué. Bon allez, hop, on retourne au menu. Hein. Voilà. Alors, faut qu'on définisse le plan d'entraînement, tout ça. On va faire ça assez rapidement. Équipe. Donc déjà, où est-ce qu'on a des difficultés au goal? Je viens de voir. Ok, alors comme d'habitude, je vais pas jouer comme ça. Hein. Ça me semble pas terrible. Qu'est-ce que j'ai sur le banc? Rien de foufou. Effectivement, pourquoi pas rester sur un 4-3-3, mais avec un 4-3-3 un petit peu plus offensif. Vous savez que je suis un tout petit peu plus fan. Ils aiment bien le 4-5 offensif, mais moi je suis pas fan. Ou alors éventuellement un petit 4-2-3-1. Lui est pas content. Ok, lui est... Ouais, non, le 4 de... Oh, fait devoir un petit 4-3-3, mais un petit peu plus offensif. Non, 4-3-3 plein. Peut-être un 4-3-3 plutôt. Non, ça m'a pas donné... Il est pas content au niveau de ses effectifs. Écoute, tu vas rester comme ça, mon grand. De toute façon, tu n'étais pas prévu pour rester très longtemps. Hop, plutôt faire ça, voilà. Tu joues en MDC, là. Arrête de te plaindre. Puis les autres sont OK tiers. OK. Très bien. Oui. Bon, compo d'équipe, ok. Accueil équipe, très bien. Transfert, on va déjà aller voir un petit peu ce qu'il y a. Ce qu'il y a, tout simplement. Chercher joueur. Bon, ça, je sais comment faire, vous inquiétez pas. Déjà, on va aller voir ce qu'il y a donc à vendre. Très important. Qu'est-ce qu'il y a de beau à vendre? Bon, Alexandre Letellier, Christian Kouamé, Dominique Calvert-Lewin, 78 en physique. C'est un peu trop élevé pour moi, si vous voyez ce que je veux dire. Pour aller à l'hôpital, ça va pas se blesser assez souvent. Steve Mounier. Il faut reprendre aussi des joueurs un peu vieux, parce qu'on est en Arabie Saoudite. Ok, bon, il n'y a rien de foufou à vendre. Et... clause de libération, agent libre. En général, dans les agents libres, il n'y a absolument rien.
Et j'ai l'impression que tout ça ne va pas déroger à la règle. Antuna, Roberto Alvarado. Ah! Sofiane Boufal. Ça me semble intéressant, Sofiane Boufal. Jesus Corona. Ça aussi, 80 de général. Pourquoi pas aller chercher Corona? En plus, il est un petit peu vieux, c'est parfait. En fait, il y a peut-être des trucs intéressants. Gunnarsson. Bon, lui, on verra. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh, Marinovic, vous vous souvenez de la carrière Stade Clermont Foot? Stade Clermont, je crois bien, il y a 2 ans. Stéphane Marinovic, qui était notre gardien remplaçant avec le Clermont Foot il y a 2 ans sur FIFA 22. Carlos Rodriguez, c'était pour la deuxième saison qu'on avait fait venir Stefanovic. Écoutez, je pense qu'on va aller chercher pas Stefanovic, Marinovic, pardon. Je pense qu'on va aller prendre d'abord, hein, écoutez, on va en profiter. Jesus Corona et Sofiane Boufal. Allez, c'est parti. Ajouter l'accueil des transferts, voilà. Et Jesus Corona, ajouter à l'accueil des transferts. Tout simplement. Faites voir juste clause de libération, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des joueurs qui nous sautent aux yeux? Ouh, Adeyemi, tiens. Mais ça m'intéresse pas. Adeyemi, et puis ça rentre pas vraiment dans mes critères. Oh, il y a un joueur de Lyon, tiens. Jordi Alba. Ça me semble pas mal du tout, Jordi Alba. Il est un peu vieux. Toby Alderweireld. 78 de physique, c'est un peu gros quand même. En vrai, c'est des anciennes stars, c'est des vieux, donc ça aussi on a le droit de prendre. Vas-y, Toby Alderweireld. On va déjà faire péter le porte-monnaie. Bah, en vrai, pas trop, puisque pour les deux joueurs d'agent libre, on va juste payer leur salaire, ce qui est pas trop énervant. Anthony. Mais du coup, non. Ok. Ok, bon, allez, on va aller signer tous ces joueurs là déjà, histoire de commencer à se faire un effectif un peu taillé pour le combat. Accueil transfert. C'est parti tout de suite, on va aller faire des offres. Enfin, déjà, on va aller négocier. On va approcher le joueur. Sofiane Boufal. Oh, on le rencontre dans un restaurant. Bon, comme d'habitude, c'est des images fixes, hein, c'est pas que le jeu lag. C'est vraiment juste des images. Bienvenue et merci d'être venu. Je vous en prie, asseyez-vous. Ouh, il est scanné, Boufal, dis donc. Pour commencer, je pense qu'on pourrait discuter du rôle de votre client au sein de ce club. Important. Tu veux être le premier nom sur un copo? Bon, j'accepte. De toute façon, oui, on va le faire jouer sur la première saison, à moins qu'on ait consigné assez rapidement. Tu veux 1 an? Bon, très bien. 1 an, ça me va. Clause de libération, ignorée, on s'en fiche. Alors, 35 000 et une prime à la signature de 100 000. Ça me semble très bien. On accepte. Et nous avons hâte qu'il rejoigne l'effectif, bien sûr. Allez, c'est validé. Sofiane Boufal est donc à l'hôpital pour 0€. C'est parfait. Ou un recrutement. Ah, c'est ça que ça veut dire. Excellente affaire. Je sais bien. Alors, par contre, son général. Eh, 76, c'est nickel tout ça. Continuons, on refera l'équipe juste après, hein, vous inquiétez pas. Ils m'ont pas proposé de compétition d'intersaison, il y en a plus ça. Peut-être. Jesus Corona, tout de suite, approché joueur. Valeur marchande, 1 500 000, si on se le tape à 0, là vraiment, c'est super. Bon, c'est la même cinématique, donc on va pas... Alors, tu veux être
décisif. Oui, ça me semble tout à fait logique. Un an. Oui, on accepte. On s'en fiche de la clause de libération. 44 500. On va lui faire une offre à 40 000, mais avec une prime à la signature de 150 000. Non, ok, bon, il tient absolument son 44 500, vas-y. Et c'est signé Jesus Corona pour 0 euros, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on a fait une affaire? Bah oui, bien sûr. Donc 80 de général, hein, de mémoire. Très bien. Allez, il nous reste encore deux joueurs à aller chercher, à savoir Alderweireld et Alba. Donc assez AD, ça c'est parfait. Alba et Alderweireld pour compléter un petit peu notre défense. On va tenter. Ah mais il vient de signer, non, à l'Inter, Jordi Alba. Non, on va entamer les négociations avec le club. On va pas payer la clause de libération. Une nouvelle petite cinématique, enfin du moins des nouvelles images. C'est vraiment ridicule, ça. Ah, c'est terrible. Allez! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est long en plus. Alors, proposer transfert, tout de suite on va proposer 15 millions, soit plus que sa valeur marchande. Une offre équitable. Vamos! On va se le faire Jordi. Allez, allons tout de suite négocier son contrat. Bon, je vous assure, l'année prochaine, on ira taper des Neymar, mais c'est juste que là, vu qu'ils viennent de signer à Lille et compagnie, ils vont pas me les laisser signer. Bon, Alba, décisif. Ok, un an, j'accepte. Ok, je vous souhaite pas. Très bien, pas de clause de libération. 49 500. Compte proposition. 50 000. Moi, je suis taré, mais 50 000. 50 000, mais on te retire 5 000 de ta prime signature. Parfait! Allez, hop, Jordi Alba à l'hôpital. Est-ce qu'on a fait une bonne affaire? 15 millions, j'ai peut-être un peu abusé quand même. Ah bah, je sais pas, il n'y a pas écrit. Donc 84 de général, ça c'est superbe. Ah ouais, mauvaise négociation, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Et puis Toby Alderweireld, on va approcher pour achat. 12 millions de clause, on va mettre 10 millions. On va aller poser 10 millions tranquillement. À moins qu'il me fasse une offre. Non, ils font pas d'offre. Proposer transfert. Donc 10 millions. Compte proposition. Est-ce que c'est d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça vient de planter? Ça vient de planter là, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Oh là 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 là. Bon. Eh bien, on relance là, je crois que j'ai pas trop le choix. Ouais, non, c'est vraiment Keblo. À moins que ça charge, c'est possible aussi. Donc on va attendre un tout petit peu, si ça c'est pas des Keblo.
Eh bien, on va relancer. De toute façon, j'ai fait la save. Alors, à la limite, il faudrait que je re-signe tout le monde, ce qui va être un peu énervant, mais... Je pense que là, on va signer tout le monde, et ensuite, on pourra se diriger vers un premier match. Bon, allez, on va relancer. Tant pis. Tant pis, hein. Vous voyez là que le jeu est, comme d'habitude, très très bien codé. No comment. Bienvenue dans le club. Allez. Alors, nous voilà sur le menu. Carrière de manager, continue la carrière de manager. Et alors, où est-ce que ça va me faire reprendre? Accueil transfert, qui c'est que j'ai dans mon accueil transfert? J'ai personne. Ok, d'accord, bon, ça est revenu avant que je... Avant toutes mes offres. Donc on va retourner, hein, on va y retourner. J'ai 5 mais il vient de me rendre compte, il faudra peut-être que j'aille les voir. Donc agent libre, on avait dit Steven Defour et... En espérant que ça ne les ait pas dégagés. Et pas Bouffal et Jesus Corona, voilà. Et puis donc en clause de libération, il y avait deux défenseurs qui étaient Jordi et Alderweireld, je le vois juste en dessous. Voilà, allez, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Accueil transfert. Négocier joueur. Alors, tu veux du décisif, j'accepte. Il veut signer pour un an, très bien, ça nous convient. Ignorer cause de... Bon, de toute façon, on n'a pas le choix, et puis de toute façon, on s'en fiche. Salaire, on lui avait donné combien? On lui avait donné 35 000. Donc, on lui a donné 35 000. Il veut 78 000 de prime à la signature, on accepte. Allez, donc ça c'est fait. Retour donc de Sofiane Bouffal. Voilà, très très bonne gestion, superbe. Jesus Corona désormais. Alors, décisif, ça me semble très bien. Durée du contrat, je crois qu'il voulait un an. Ouais, ok, pas de clause de libération, ça me semble très bien. On lui avait donné combien? On lui avait donné 45 000. Est satisfait, bah, écoute, tant mieux. Parfait donc. Hop, encore une fois, on est très bon en affaires, je le sais. Hop, on va aller sauvegarder avant d'aller retenter de signer nos deux camarades. Alors, je crois que c'est là qu'on sauvegarde, exactement. Il n'y a pas de sauvegarde automatique, je trouve ça un peu bizarre. Alors, prochain match contre Aliel, ouais, effectivement, il n'y a pas de truc de pré-saison, c'est peut-être moi qui ne les ai pas acceptés, comme un débile et qui savait dans mon mode. Mais nouveau plan d'entraînement. Bon, portant sur le marché des transferts. Notre vision et nos attentes. Premier rapport, je me présente. Ok, bon, tout ça on s'en fiche. Ah si, mais je crois qu'il faut faire des réponses, non?
Ah non. Il n'y a pas de message des joueurs. Très bien. Il n'y a plus de compétition de cette saison. J'avais oublié ça qu'il n'y avait plus. Alors. Ok, transfert. Allons. Donc tout d'abord, chercher Jordi Alba. Proposer transfert. 15 millions. Parfait. Donc, maintenant, allons négocier son contrat, hein, une nouvelle fois. Décisif. Un an. Très bien. Pas de clause de libération. Discutons de son salaire. 50 000. Parfait. Alors, est-ce qu'il va me remettre la même note en ce qui concerne le niveau du transfert? F, ouais, mauvaise négociation. Je sais pas en quoi c'est une mauvaise négociation, mais... Ok. Et donc, on va approcher pour un choix... La Royal Antwerp pour Toby Alderweireld. Et après, on va se lancer dans un match. Premier match de la saison, tranquillement, mais sûrement. Alors, proposer transfert. Niveau 8 500 000. On va proposer 10 millions. Le but, c'est pas de faire dans la finale, je pense que vous l'avez compris. Allez, hop, c'est d'accord. Et maintenant, il est temps de... négocier son contrat sans que ça plante si possible. Alors décisif, parfait. Un an. Ok, très bien. On s'en fiche de la clause de libération. 38 000, 110 000, j'accepte. Bon, encore une fois, ils vont me dire que j'ai fait une affaire pourrie. Ah non, B, ma foi. Eh, très bon prix. Que demander de plus? Meilleure offre possible, 8 millions. Ok, bon, tout ça, ça a été signé. On a reçu deux mails, nouveau plan d'entraînement, nouveau plan d'entraînement. On ira faire ça juste après, juste avant. On va redesigner un peu l'équipe avec nos nouvelles arrivées, à savoir Corona et Bouffal. Donc, hop, voilà. Et Bouffal, on va le mettre en pointe. Voilà. Alderweireld en défense centrale. Et puis Alba en défenseur gauche. Très bien. Ok. Et puis donc on va faire remonter lui déjà. Voilà. On va faire remonter tout le monde quoi. Voilà. Et puis. Voilà. Très bien. Allez, on commence à former un petit peu cette équipe. On sauvegarde bien sûr. Je vais aller sauvegarder également la partie là-bas. Hop, on va les définir. Voilà. On a des plans d'entraînement. Donc, on va aller définir tous ces trucs-là qu'il faut qu'on fasse tout de suite. Et puis après, on ira jouer. Premier match, stratégie de l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a? Gestion des coachs. Donc on a un spécialiste en attaque. Faut peut-être que j'en signe d'autres, je viens de m'en rendre compte. Ce serait pas mal.
Donc on va aller faire ça tout de suite. Donc il nous faudrait du spécialiste du jeu sur les ailes. Je sais pas s'il y en a. Non, il y en a pas. Et ben, on va signer des mecs comme ça. Lui, il est nul. Hein. On va aller signer lui. Voilà. Non. Ben, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. Voilà, très bien. Et puis, goal. Est-ce qu'on a un mec qui a une bonne aptitude au niveau des goals? Non, absolument pas. Donc là, ça n'a absolument aucun intérêt. Très bien. Alors, plan d'entraînement. C'est là que, qu'il faut qu'on soit... Bon, on décide donc de l'équilibre à trouver. Il faut qu'on trouve un bon équilibre. Alors, plan d'entraînement. Bouffal. On va axer sur la performance. Voilà. Corona. On va encore une fois que c'est sur la performance. Alderweireld, axé sur la performance. Et puis, axé sur la performance. Voilà, on va pas s'ennuyer. J'aurais peut-être même mettre tout le monde en axé sur la performance pour le coup. Bon, on va rester comme ça pour l'instant et on va voir. Voilà. Essentiellement les nouveaux joueurs qui sont importants. Objectif. Alors, donc pour l'instant j'ai 80. Développement, j'en signe au moins un joueur de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel que la moyenne des joueurs au même poste dans l'équipe actuelle. Rien de mon marque, faire une série de 5 matchs sans but encaissé en match à l'extérieur cette saison, recruter 3 joueurs en Amérique du Nord. Terminer la saison avec une marge bénéficiaire de 275 millions d'euros, purée. Court terme, donc finir en milieu de tableau de Saudi League, long terme en 4 saisons de Saudi League, être sacré champion. Et puis pas d'objectif sur le succès continental, très bien. Bon, on a quelques objectifs, faut qu'on fasse attention. Centre de formation, bon, on a quelques joueurs, très bien. Transfert, on a déjà été voir. Bureau, le calendrier, on va regarder peut-être un petit peu le calendrier. Alors là, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Ah, c'est peut-être les invitations enfin au... J'aurais peut-être dû faire continuer. Voilà, donc ensuite, le premier match sera face à Al-Hilal à l'extérieur. Très bien, donc, premier match de saison. J'ai sauvegardé, je crois. Bon, on va continuer tranquillement. Je pense qu'ils vont me proposer donc... On va recevoir les invitations. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un mignon? Est-ce qu'on a des trucs un peu intéressants? Bon, on va faire celle qui rapporte le plus, hein, celle-là, 1 170 000. Voilà, hein, tout simplement. On va pas se mentir. Ok, alors par contre, on a reçu des messages. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Donc, Sofiane Bouffal, grâce à notre plan de développement, Bouffal est au meilleur de sa forme. Je vous conseille de l'intégrer à un plan équilibré pour lui permettre de garder son tranchant. D'accord. Alors, au nom de l'équipe, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. J'ai hâte. Ok. Du coup, il me conseillait de plan d'entraînement, remettre notre ami Bouffal en équilibre pour éviter qu'il perde son tranchant. Ah, mais ça le fait perdre quand même. On va le remettre comme ça, vous savez quoi. Il va falloir assez bien jongler pour le coup. Donc le premier match, c'est quand qu'on le joue là. Attendez, j'ai pas été voir du coup le calendrier. Le premier match, donc, c'est face à Altaoun. Bah écoutez, je pense qu'on va aller se le faire. Hein. On va aller se faire ce premier match tranquillement.
Ça joue sur terrain neutre, vous le savez. Non, je pars direct de la Ligue 1, de la Ligue 1 arabe, puisque c'est la seule qui est dans le jeu. Il n'y a que la Ligue 1 arabe. Mais l'objectif, ça va être d'essayer de se qualifier pour la Ligue des champions d'Asie. Voilà. Puisque de toute façon, je ne pourrais pas me qualifier en Ligue des champions européenne. En vrai, ça aurait été drôle qu'on puisse... j'aurais peut-être dû effectivement mettre le club dans un autre pays, mais voilà, l'Arabie Saoudite, ça reste l'Arabie Saoudite. C'est le principe du truc. J'ai envie de faire un truc un peu exotique. Et voilà, mince. Bon, écoutez, on va d'abord aller faire ces matchs de pré-saison. Ça lag, mon dieu, qu'est-ce qu'il me veut? Off de frais pour Amine. C'est qui? Décès de 63 de général, Al-Shabaab, c'est un... On va rejeter. Faut voir un peu, surtout si on a des joueurs qui se blessent, hein. Faut quand même être vigilant, parce que là, donc, on vient d'avancer donc, plusieurs jours, donc il peut y avoir des nouveaux joueurs sur les agents libres. Et sur tout ça, donc on va quand même regarder, hein, on va quand même regarder sur les agents libres, sur des joueurs qui ont des clauses de libération. Et donc il peut y avoir des joueurs intéressants, des nouveaux joueurs intéressants à aller chercher. Donc on va regarder, bien sûr. Gunnarsson, le problème c'est que c'est pas un niveau très élevé Gunnarsson, sinon je l'aurais pris, mais honnêtement ce sera à peine meilleur que nos propres milieux de terrain, donc. Pas vraiment d'intérêt de lui donner un pont d'or pour ça. Quoi. Est-ce qu'il y a pourquoi pas des nouveaux joueurs à vendre un petit peu intéressant. Calvert-Lewin, bof. Bof, bof, bof. Non, rien de fulgurant. J'aimerais bien faire voir juste poste gardien. Minimum 30 ans. Max 50 ans, on va aller regarder. Alors, normalement, il n'y a pas que... Ah si, il y a peut-être Miura. Kazuyoshi Miura, le plus vieux joueur professionnel en activité, il a plus de 50 ans. Mais je sais plus, je crois qu'il joue en... Ah non, il doit jouer en Ligue 2 portugaise, donc non, il doit pas être. Alisson est là. 77 millions. Ça ferait un bon petit blockbuster transfert. Areola, bof. Quoique. Je regarde un peu ce qu'il y a. Asmir Begovic, c'est un vieux en plus. S'il y a mince, oh Bounou, il est si vieux que ça. Bounou, qui m'en aura fait vivre, des trucs pas très cool hein, quand même la saison dernière. Roman Burki, bon, ok, c'était comment s'appelle-t-il là? Et là il y avait Castils. Comment ça fait-il? Il joue à West Ham normalement. J'ai oublié son nom. Donc c'est Fabianski, voilà. Vas-y, hein. Vas-y, on va tenter Fabianski. Et il y en avait un autre qui était vieux, donc du coup j'ai oublié le nom. C'est bête. Je veux juste recruter un gardien et après on lance le match. Enfin, essayer de recruter un gardien et après, pas de soucis, on lancera le match, bien sûr. Alisson, pas trop. Ça me tente pas trop, comme je vous l'ai dit. Areola, non. C'était qui que j'avais vu? Boutou, Claudio Bravo, voilà, 40 balais, j'avais oublié qu'il joue toujours. J'ai Roman Burki, éventuellement. Ouais, j'en avais vu un. C'était qui? Si c'était Asmir Begovic, voilà. Allez, on va tenter ces trois-là.
Vraiment, là, j'ai cherché le fond de la maison de retraite. J'aurais dû m'appeler à la maison de retraite. Fabianski, du coup. On va approcher pour achat. J'ai pas vu quelle était sa valeur pour le coup. Proposer transfert. On va proposer 10 millions. Je pense que c'est une offre équitable. Parfait, parfait, mais moi je dis pas non. Je dis pas non. Allez, négocier. Alors, bon bah, décisif. S'il me dit que ça lui va pas, je comprends pas. Bon. Essayer de le garder 2 ans, jusqu'à ses 40 balles, il va me dire 1 an. Ah, c'est ce que nous espérions, d'accord, il veut vraiment aller jusqu'à ses 40 balles. Pas de clause de libération, très bien. 24 millions, titularisation. Compte proposition, on va faire ça. On va modifier prime. On va juste retirer la prime en fait. Voilà. Et on va modifier le salaire. On va le mettre à 30 000 par semaine. Voilà. Et s'il veut, on va lui monter à 175 000. Voilà. Parfait, allez. Fabianski, alors j'aimerais voir la note qu'ils vont mettre pour Lucas Fabianski. Il a combien de notes, à moi la peur? Ah, 80, ma foi, parfait. Nickel. Ah ouais, par contre, ah oui, 480 000 off possible, d'accord. Ok, il voulait vraiment s'en débarrasser. Bon, eux, du coup, on peut les retirer de la liste, c'est bon. Plus besoin d'eux. Gestion d'équipe. Allez, on va aller se lancer ce premier match de la saison pour tester un peu tout ça. Juste, on met Fabianski, voilà. Et on refait monter Al-Zubaydi. Oui! Boîte mail. Nouveau plan d'entraînement. Oui, tiens, on va aller faire ça. Le plan d'entraînement. Avant que j'oublie. On va axer sur la performance, hein, comme d'habitude. Et allez, avançons, du coup, pour aller jouer un premier match face à Altaoud. C'est parti! Oh, Kroos a signé à Chelsea, purée. Hop, 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 réussir une séance d'entraînement pour gagner un style de jeu temporaire pour les joueurs participants. Rapport d'avant-match, ok, intéressant. On va pas faire ça, on va pas faire la séance d'entraînement pour le coup. Je pense qu'on va aller direct pour le coup d'envoi. Jouer match, vue tactique, simulation ou temps fort. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le match en entier, bien sûr. Peut-être qu'un jour, bien évidemment, on simulera les matchs, on fera des simulations rapides, on fera pas des simulations détaillées. Quoique, si on fera peut-être des simulations détaillées, on verra. Bon, et bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour ce premier match avec Al-Hilal dans cette compétition d'intersaison. C'est parti, c'est parti, c'est parti. En espérant que ce soit fun. J'ai pas sauvegardé avant, j'aurais peut-être dû parce que là je vais perdre quand même sacrément. Si jamais je. Ça bug ou quoi que ce soit donc. Allez, c'est parti. Je sais pas du tout où ça joue. Bon, c'est un faux stade, ça. Clairement, stade municipal. Ouais, bon. Allez, coupe invitationnelle, c'est parti. Ouh, c'est le ballon de la Coupe du Monde au Qatar. C'est donc parti. C'est eux qui ont le coup d'envoi, semble-t-il. Tout à fait. Altaoud, à l'hôpital. C'est parti pour ce premier match de la saison. Je suis un peu excité, malgré que le jeu soit pourri. Selon mon avis, et les quelques matchs que j'ai pu faire dessus, notamment. Oh. J'ai pas cadré ma frappe, ça commence mal. Ok. Bon. Enfin, ça commence mal. J'ai pas cadré ma frappe, juste. Les frappes qui décollent pas, hein, dans le jeu, c'est terrible.
Allez, ça dégage pour Altaoun. Et puis, on va tenter de faire notre mieux semi-pro. J'ai l'impression quand même que ça va être un tout petit peu facile. Je sais pas si les mains sont activées. Est-ce qu'on peut modifier ça tout de suite? Paramètres. Je vais aller vérifier paramètres de jeu. Non, on peut pas. On peut pas, donc je sais pas. Si les mains sont activées, normalement oui, puisqu'elles sont activées déjà de base. Donc bon, on verra bien. S'il y a des mains ou quoi. Corona, je compte sur toi. Oh là là, il y a de la vitesse. Il y a de la vitesse. Mama, il y a de la vitesse. Mama, il y a de la vitesse. Et j'ai pas le temps de déclencher ma passe. Hein. Par contre, ouais, c'est des petits vieux, donc. Au niveau du temps de réaction, ça va pas être terrible. Oh, la récupération très haute et Bouffal, peut-être qu'il va pouvoir y aller. Ah, j'ai hésité, j'ai. Profites-en. Non, oh, si. Oh non, mais bah, non, mais il est hors jeu. Je suis bête, donc de toute façon, je saurais. Tant mieux qu'il la laisse passer. Ouais, j'ai l'impression qu'il va falloir quand même qu'on. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Ah, il y a eu peut-être un petit hors-jeu ou une petite faute, je sais pas. En tout cas, on n'a pas eu de replay. Ou une petite main peut-être, mais en tout cas, on a rendu le ballon à l'adversaire. Allez, vers Akpan. Oh non, ouh, j'y ai cru au power shot, mesdames et messieurs. J'y ai cru au power shot. Ouh le lolo. Allez, Mailson, qui va dégager tout ça? Et là, j'aurais dit Alba. J'aurais peut-être dû combiner Alba et Corona sur le même aile. Peut-être. Peut-être, peut-être. Ok, récupération de Jordi Alba. Ahmad. Il y a perdu. Ouh si, chance. Oh, la belle passe. Allez. Oh oui, le power shot qui est rentré. Moulawad qui ouvre la saison, le premier but de cette saison. Et notre premier but dans cette IRM Manager, IFC 24. Sur un ballon qui n'a pas décollé, c'est terrible. Enfin, qui a décollé un tout petit peu en vrai. Samir Al-Mouwalad, pas un vrai joueur. Mais ça fait un premier but. Parfait. On a toujours, ça me fait penser, la Ligue des Champions d'Asie à faire avec Retroweave et Nibla en tournoi sur eFootball, hein, je le rappelle, pas sur FIFA. Oh, allez, Bouffal. Ah oui, Sofiane Bouffal 2-0, il va falloir qu'on passe en pro. Hein, je vous dis ça tout de suite, je pense qu'on va pouvoir passer en pro juste un peu, honnêtement, dès le prochain live, parce que là, ça me paraît déjà un peu facile. Ou alors, éventuellement, on tentera en pro le prochain live, si c'est encore trop compliqué, il va falloir que je fasse des petits paramètres de jeu, des petits sliders. Petit réglage comme on avait fait sur la carrière avec Sunderland. Voilà. Allez. C'est Tipar. Enfin, c'est reparti plutôt pour ce Tipar. 2-0 donc. Al-Mouwalad. J'ai l'impression que ce joueur est très intéressant. Bouffal. Allez, Akpan. Là, il y a la passe à jouer. Avec Saad, ça fait. Ouf, ça fait poteau. J'ai rien dit du tout. Ça fait poteau. Girotto. Mateus. Medran. Albifi. Almayoudi, oh popo, oh oui c'est bon. La récupération d'Alderweireld qui touche son premier ballon avec mon maillot. Sous les couleurs de mon équipe. Allez, Bouffal, 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 Bouffal. Oh là 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 là, ce que je lui ai mis. Oh là 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 là, ce que je lui ai mis, dommage que je convertis pas. Mais alors là, il s'est transformé en pingouin manchot empereur. Al-Mouwalad, Bouffal de nouveau. Ça se retente le petit power shot là. Ouh, c'est arrêté par le gardien. C'est le premier arrêt du gardien, je crois bien. Mais ça a donné un corner, par contre, il me semble. Voilà. Bon, les corners, j'ai toujours pas compris comment on les tirait. Bon, il n'y a plus qu'à espérer. Oh, il est pas si mal tiré que ça.
Ouais, non, il était très très mal tiré, pardon. Allez, un bon centre. Non, pas un bon centre. Ouais. Hop, Al-Hamad. Il dit pas qu'il va y avoir hors-jeu. Oh, j'ai cru qu'il allait lever son drapeau. Arrêt du gardien. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la mi-temps? Non, c'est pas la mi-temps. Si, c'est la mi-temps. Ah bon, déjà? Purée. Le temps est passé bien vite, j'ai trouvé. Bon, 2-0 à la mi-temps. Purée, c'est passé vachement vite. Donc face à Altaoun à la mi-temps, les actions on les reverra à la fin. Reading est en train de gagner 1-0 face à Amore Bieta et 0-0 entre Al Azem et Wigan Athletic. Bon, c'est pas une grosse coupe, y a pas des gros clubs en face hein, dans cette coupe d'intersaison. Bon, écoutez, on y retourne, hein, deuxième mi-temps. Dans ce match, dans ce faux stade. Allez. Voilà, j'ai eu du mal à trouver cette passade. Espérons qu'il soit bien pas trop triste dans mon club. Ouais, non, je suis pas sûr de celle-là. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, sad égale triste en anglais quand même. Au cas où. Je sais pas si peut-être vous ne parlez pas l'anglais. Alors, qu'on nous parle d'Acuna, qui est à Arsenal. Transfert confirmé. Ah, d'accord, Acuna a signé à Arsenal. Acuna Matata, l'ancien joueur de, bah, du coup, de Séville, hein, pour le coup, là. Intéressant comme signature pour Arsenal. Surtout quand tu te fais battre par Lens, il est hors jeu. Akpan. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, mais. Ah, je l'ai vu. Mais il n'y avait pas grand-chose non plus. Il y a eu des hors-jeux bien pires, on va pas se mentir. Attention, peut-être un trou sur la Jordi Alba. Ouh, ça défile bien, ça défile bien. C'est bien contré. Allez, on a Jordi Alba sur cette aile. Il est lancé, le petit. Il est lancé, l'ex. Barcelonais, allez, Akpan, vas-y mon petit, j'ai fait n'importe quoi sur ma frappe, je viens de me rendre compte que j'ai fait n'importe quoi au niveau de la visée. Là, on tient un des ratés de la dé. Allez, des changements pour Altohan. Ouais, on est déjà à l'heure de jeu, purée, mais ça passe vachement vite quand même, j'ai l'impression. Les 4 minutes qui sont plus rapides que l'année dernière. Allez. Voilà, Al-Moulawad. Lance Boufal, magnifique. Magnifique. Oh, j'ai tenté la balle piquée un peu de. Mais j'ai fait n'importe quoi encore sur ma frappe. J'ai appuyé sur frappe au lieu de passe. C'est pas grave. Ils veulent vraiment que je fasse rentrer. Que je fasse rentrer de l'autre là. Buffal a eu 5 playstyles, non je sais pas, 5 tirs, oui 5 tirs. Pourquoi je parle de playstyles? C'est juste qu'il y avait la mention de playstyles, mais non 5 tirs. Buffal, allez vas-y mon petit. Oh là là, le doublé de Sofiane Buffal. 3-0. C'est nickel tout ça. Ouais, je vais leur faire plaisir, je vais faire rentrer Al-Sadd. Pour bien contester tout le monde, après tout. Ouais, il y avait un vieux pointard, limite, Boufal, qui a pas décollé. Allez. Des petits changements. Voilà. Et puis, c'est reparti. Il reste 20-25 minutes, en gros, à jouer. En comptant les arrêts de jeu.
Allez, Bouffal de nouveau. Peut-être falloir par contre faire sortir Bouffal qui est crevé. Faut pas le faudrait pas le blesser. Hein. C'est pas parce que mon club s'appelle à l'hôpital que faut qu'il y ait des blessures pour autant. Ouh, je viens de couper au moment d'un cafouillage. Allez, non, ok. Non, c'était parce que je voulais les menus qui sont une horreur, ça. J'en avais pas trop parlé hein, dans la vidéo découverte. Mais ouais, après avoir joué un petit peu plus quand même, les menus, c'est une horreur. Bouffal. J'ai deux Al-Saad sur le terrain, tiens. On va faire rentrer Al-Shamari. Très bien. Et puis on fera peut-être sortir ça dans Tchoumchtar ou Al-Moula. Ça m'a pas fait sortir Al-Moulawa? Pas tout compris. J'ai pas tout compris. Pas grave. Ok, Saad. Allez, avec Akpan. Il la laisse pas. Oui, 4-0. Non, le premier but. Le premier but de. C'est Corona, je crois bien. Jesús Corona. Rien à voir avec. Le monétisation virus. Allez, deux petits changements, enfin, deux petits changements du coup sorti de Bouffal. Et donc ça nous fait 4-0. Il montre que les trois derniers les visages et les trois derniers buteurs, quand tu marques plus de 3 buts, c'est pas, ça leur est pas venu à l'idée de juste rétrécir la taille des photos. De toute façon, je pense qu'il aurait été hors jeu, notre ami là. Saad. Allez, avec Al-Shamari. Bon, ça fait 5. Ah oui, enfin, clairement que je monte le niveau de difficulté. Parce que là, c'est un club qui est dans le championnat. Hein. Je tiens à le préciser quand même, Al-Touan. Bon. Ça fait 5-0 du coup. Allez, récupération de Jordi Alba. Il reste plus beaucoup de temps à jouer dans ce match. Il n'y a pas eu en plus standard avec jeu que ça, même si vous savez que les arbitres, ils leur jeu, n'est-ce pas? Ah non. Aujourd'hui, aime beaucoup mettre 8 minutes d'arrêt de jeu, mais là, ça n'a pas été codé dans FIFA. Allez, un petit corner. 2 minutes d'arrêt de jeu, tiens, justement. C'est 6 mètres là-dessus? D'accord. Bon, on va peut-être siffler la fin du match là. Ah bah, ballon pour moi, il y a eu une petite faute ou une petite main, je sais pas. Bon, allez, hop, il va pouvoir siffler notre ami. Voilà! Allez, victoire 5-0 dans ce premier match face à Altouane. Faut que je remonte le niveau de difficulté. Je me doutais que ça allait être un peu trop facile, mais à ce point, pas du tout. Bon, on prend quand même la victoire, hein, j'ai envie de dire, mais. Ouais. Bon, ça nous a permis de voir un peu, quand même, tester un peu notre équipe, voir ce qui est pas mal, et voir ce qui est un peu moins bien. Enfin, ce qui est un peu moins bien, on a eu plus de difficultés à voir, mais ce qui est bien, on a pu le voir. Donc, bah écoutez, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. On va revoir du coup les occasions de ce match. Que voici, que voilà. Ce but-là, à la 25e minute. De Bouffal, les gardiens qui sont pas clairs, hein. Les gardiens qui sont comme d'habitude pas terribles quand ils ont une note. Alors, c'est soit vraiment ton gardien il est pas terrible quand il est en dessous de 70, soit tu sais pas pourquoi, mais il se transforme en parfois en un match, il se transforme en Jan Oblak ou en Handanovic pour une raison qui est souvent très obscure. Je viens de me rendre compte d'un truc, mais normalement les noms. En Arabie Saoudite, ils sont écrits en arabe derrière les maillots, et là ça va pas être le cas. C'est un peu dommage. Ils te laissent pas la possibilité là-dessus de placer,
de choisir également l'écriture, parce que pareil, alors il n'y a pas la ligue russe, mais par exemple si tu joues en Chine ou en Corée, pouvoir avoir l'écriture chinoise ou coréenne, ça pourrait être pas mal aussi, donc voilà. Même gagner contre l'an, c'est plus complexe, exactement, Eloane. Exactement, exactement. Quoique, ça dépend. Bon, vous voyez les stats vite fait. Mais c'est en ce moment, ouais, en ce moment, bof quand même, c'est pas très compliqué, quoi. Ouais, bon, les stats sans appel, ils ont fait un tir. Ils ont fait un tir que j'ai contre en plus, je reviens avec un de mes joueurs, donc bon. Ils ont pas eu le ballon. Il y a eu 55-45 quand même de possession, hein. Après ça a beaucoup bataillé au milieu de terrain, ouais voilà, vous voyez, je pense que j'ai contré leur tir. Bloqué, ouais voilà, bloqué un tir, exactement, c'est ce que je disais, j'ai contré leur seul tir. Ok, les notes, on va aller voir ça, bon je pense que Bouffal avec son petit doublé, il va être à 10, voilà, exactement, Corona à 1-1, 8-1 pour Al-Mouwalad, assez... Ah, il y a Samir Al-Mouwalad et Hassan Al-Mouwalad, d'accord, et ça m'a pas fait sortir celui qui a marqué, ça m'a fait sortir celui qui a eu une passe d'ess. Très bien. Très bien, très bien. Fais voir les notes, ça va être 4. Waouh, ouais. Ah, je m'attendais pas à ça. mince, non, j'ai classé, pardon. La meilleure joueur, il a eu 6. Giroto, la meilleure joueur, il a eu 6. Waouh. Même sur les matchs de rétro, les notes sont pas aussi abyssales. 2-0 pour Reading, 2-1 pour Wigan face à l'AZM, très bien. Bon bah voilà, du coup, pour ce premier match avec Al-Hilal, prochain match face à Al Riyad. Ils ont eux aussi gagné. Jesus Corona semble marquer le pas et la fatigue l'empêche de son meilleur niveau. Ouais, faut que je change son plan d'entraînement. Donc on va faire ça tout de suite avant que j'oublie. On va aller sauvegarder et on s'arrêtera là pour ce live. Voilà. Donc on va axer sur l'énergie, on va axer un petit peu sur l'énergie, on va axer un peu sur l'énergie, on va perdre un peu son tranchant, c'est pas grave, les deux de toute façon étaient bien chargés niveau tranchant. Lui, on va remettre à l'équilibre. Et Alba aussi. Et lui, il est pas tout à fait dans... Ouais. On va remettre en équilibre là aussi. Ok. On va donc sauvegarder. Voilà. Et puis on va s'arrêter là pour ce petit live, mesdames et messieurs. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous a plu, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous follow à la chaîne Twitch, à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, à rejoindre mon serveur Discord, à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. On se donne. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu à la rediffusion du live, hein, si jamais vous êtes sur YouTube. Et même si vous êtes sur le stream, n'hésitez pas à aller sur YouTube pour aller mettre un pouce bleu à la rediffusion quand elle sortira. Voilà, et puis bien évidemment, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, si tout se passe bien, pour bien la suite de cette carrière manager. Comme d'habitude, ce sera, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, la carrière manager sur IESC, c'est tous les mercredis de 17h à 18h30 à peu près. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ce live, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao !